force de jouer avec le feu de l'immigration dans plusieurs pays, avec ces raidissements qu'on observe un peu partout, eh bien, il y a un pays qui décide que même l'immigration européenne et même l'immigration française pose problème. Pose problème. On en est là, vous vous rendez compte. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on est toujours l'immigré de quelqu'un. Les Suisses, au contraire, font preuve de beaucoup de bon sens et j'aimerais bien qu'on les suive d'ailleurs. Et ils veulent donc garder la maîtrise de leur politique d'immigration. Est-ce que la ça France... me paraît être une politique de bon sens et je pense que si on organisait un référendum dans énormément de pays européens, on aurait des résultats encore plus massifs que ceux qui ont été enregistrés en Suisse. On voit comment nous avons su faire entendre quelle était la position française sur l'Iran. Ils ont compris que nous n'étions pas un petit pays. Vous savez, quelquefois, la manière de faire du French bashing est beaucoup plus fort en France qu'à l'extérieur. Ce sera la décision de Nicolas Sarkozy lui-même. Je ne pense pas qu'elle soit prise au jour où nous parlons. Visiblement, Bernadette Chirac a moins de doutes que vous. Mais écoutez, Bernadette Chirac prend sans doute ses désirs pour des réalités aussi. De toutes les façons, la question du leader, de celui qui nous conduira à la présidentielle de 2017, nous la réglerons le moment venu. Nous la réglerons. Nous sommes mis d'accord sur une procédure qui est dans les statuts, qui est les celle de la primaire. Vous y êtes pour ? Je crois qu'aujourd'hui, les primaires sont le prix de la réunification de l'UMP. Je ne sais pas s'il faut sourire, mais comme c'est nos enfants, on n'a pas envie de sourire. Alors vous voyez les dessins, voilà, donc on tourne les pages, à poil le bébé, à poil la babysitter, à poil les voisins, je tourne les pages, à poil la mamie, à poil le chien, à poil la maîtresse, vous voyez, c'est bien pour l'autorité des professeurs. À poil la chanteuse, nous avons à poil le docteur, à poil le président, directeur général, bah oui, bien sûr.